promène avec mon carnet de croquis, mon crayon et mon appareil photo. Je fais plein de photos, quelques croquis, ça dépend si j'ai le temps de faire des croquis ou pas. Et ensuite, de retour à l'atelier, je fais un patchwork de photos, pas toutes, hein, celles que j'ai sélectionnées. À partir de ce patchwork, je crée mes aquarelles. Je crée mes modèles, mais je ne sais pas travailler sans modèle. Eh bien, cette toile, c'est une balade sur la voie verte vers la chapelle au Pau. Donc, j'ai fait une série de photos et à partir d'une des photos que je réinterprète, j'ai fait l'automne. J'ai commencé à dessiner, j'étais toute petite, toute choupette, et ensuite j'ai été dans des associations avec des maîtres pour apprendre la technique. Voilà. Mais je n'ai jamais intégré d'école, je suis autodidacte. Je travaille à l'aquarelle sur des grands formats parce que j'aime bien avoir de la place. J'ai commencé à travailler à l'aquarelle parce que j'allais dans Paris pour respirer la pollution, le métro et le bruit des voitures. J'en avais besoin. Le paysage urbain, je suis passée au paysage sans maison. D'aquarelle en aquarelle, je me fais un carnet de voyage avec des textes et que j'auto-édite en général. Ça devient des carnets de voyage. Comme j'habite le pays de Bray, je me suis bien stressée parce que je me demandais bien ce que je pourrais dire sur l'endroit où je vis. Je disais à mes copines, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce pays de la betterave? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et donc mes copines ont rigolé, elles m'ont dit, bah, tu n'as qu'à commencer par ça, tu n'as qu'à commencer par parler des betteraves et puis après tu verras bien. Elles ont eu raison, j'ai commencé par les betteraves et depuis j'ai trop de choses à dire. Je suis obligée de me censurer, sinon le livre va faire 300 pages.